Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, c'est un petit. Alors j'utilise GarageBand sur mon Mac et je vais vous faire écouter quelque chose que je viens de faire récemment. Donc voilà. J'espère que vous allez aimer. Moi, personnellement, j'ai un test. J'insiste à tester. Et je vais vous faire montrer que ça peut être étonnant parce que c'est vraiment la première fois. Hein. Alors là, c'est le bruitage que j'ai pris. Bon, bien sûr, il n'y a pas tous les bruitages, hein, comme on dit. Donc là, c'est juste un petit essai. J'en train de tester, trouver. Parce que normalement, le logiciel, le vrai logiciel, ben, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas l'avoir sur mon Mac, hein, malgré qu'il est compatible aussi pour Mac. Bon, bref. Donc, je vous ai fait écouter quelque chose tout à l'heure. Un peu. Je veux dire franchement bidon, mais je m'en fous. On teste dans la vie, on teste à tout. Et surtout que mon but à moi était de remixer, de balancer tous les morceaux sur mon Logipad. Et ben voilà. Donc c'est pas grave, moi je teste, donc j'insiste et j'essaye de faire la création. Par contre. N'arrive pas à comprendre pourquoi il n'arrive pas à enregistrer de morceaux, parce que j'aurais bien voulu vous diffuser sur le web, même si c'est comment dire, un peu raté, voilà, même si c'est raté. Mon but est d'essayer de faire à ma façon de trouver des choses et d'avoir. Voilà. Je vous remercie, à la prochaine vidéo, bye bye.